Un concours de danse ordinaire, non, une simulation qui avait pour but de faciliter la compréhension du thème de l'édition 2023 de Vacances en Christ qui, rappelons-le, est « Être et demeurer disciple de Jésus ». Le pasteur Jean-Paul Apoutry, responsable du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire, a utilisé la danse pour instruire les enfants. Vous allez danser, mais si tu as dansé, que tu as soulevé ton pied comme ça, personne d'autre ne doit soulever le pied comme toi. Si tu commences à soulever, on t'élimine, on dit « va t'asseoir ». Amen. Maintenant, si tu as dansé, quand on a fini, quand tout le monde a fini de danser, celui qui veut danser comme elle, il vient se mettre derrière elle. Et puis après, elle va aller te montrer comment elle a dansé. Et puis vous allez venir danser, vous deux ici. On va voir si vous avez réussi. Enfants, le jeu consistait à faire prester plusieurs enfants. Ceux qui apprécieraient l'un des danseurs devraient imiter ce dernier et faire comme lui. Il voulait montrer aux enfants qu'en imitant, on devient disciple. C'est un très joli exercice qui montre comment imiter. Un disciple, c'est quelqu'un qui imite. Le disciple, c'est quelqu'un qui fait comme quelqu'un d'autre. Amen. On dit un disciple, c'est un élève qui suit quelqu'un d'autre, qui veut faire comme lui. Alors, si on fait comme Jésus, on devient automatiquement son disciple. Mais devenir disciple de Jésus vient d'une volonté personnelle. Quand tu veux devenir disciple, ça commence déjà par le fait que toi-même, tu choisis. On n'attrape jamais quelqu'un, on n'attache pas ses pieds pour qu'il devienne disciple de quelqu'un d'autre. Et exige qu'on passe par la vraie repentance consistant à reconnaître tous ses péchés commis en parole, en pensée, en acte, les confesser, les abandonner totalement et entreprendre les restitutions là où cela est possible. Si tu veux être disciple de Jésus-Christ, et puis ne pas être disciple de quelqu'un d'autre, lève la main, on va prier avant de commencer. Si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, lève la main. Amen. Lève la main. Si tu veux être disciple de Jésus-Christ, lève la main. Même si tu étais déjà un disciple, que tu veux renouveler ton engagement dans ta marche avec Jésus, que tu dis, oh Seigneur, je décide encore que je veux être ton disciple et je serai toujours ton disciple. Lève la main. Amen. Et on va prier ensemble. Tu vas dire à Jésus, « Oh Seigneur Jésus, je t'aime, je veux être. Sois avec moi et demeure avec moi. » Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'amour que tu portes à ma personne. Oh Seigneur, je viens renouveler mon engagement avec toi. Je viens décider à nouveau d'être ton disciple et de marcher avec toi. De t'aider, de faire comme toi jusqu'à ce que tu reviennes. Oh Seigneur, bénis mon engagement et garde-moi dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, ayant béni le ministère de la parole de son serviteur, a permis aux enfants de comprendre l'essentiel du message. Et cela a suscité en eux la volonté spontanée de se repentir envers Dieu, étape fondamentale pour devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ.